Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 35 idées d'investissement pour faire fructifier votre argent. Il est parfois difficile de savoir quel investissement choisir pour faire fructifier son argent. Entre les produits à risque et ceux qui ne ramènent pas un copec, la foultitude de possibilités n'aide pas à faire un choix éclairé. Voici 35 excellentes idées d'investissement pour faire fructifier son argent, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Idée numéro 1, le compte épargne. Le compte épargne est le produit financier d'investissement pour faire fructifier son argent le plus répandu. La plupart des ménages français en possèdent au moins un. C'est un produit simple d'utilisation qui a pour principal avantage d'être totalement sécuritaire. En effet, quoi qu'il se passe, vous êtes assuré de récupérer votre mise de base. L'inconvénient est que les taux d'intérêt sont généralement faibles. Il faut alors ruser pour obtenir un produit rentable. Idée numéro 2, l'assurance vie. L'assurance vie est également un produit financier très apprécié par les Français. Contrairement à son appellation, elle n'a pas uniquement vocation à laisser de l'argent à ses héritiers. L'assurance vie est un produit qui permet avant tout un système de défiscalisation. Vous pouvez donc déduire de vos impôts une partie ou la totalité des montants que vous versez. Par ailleurs, le produit bénéficie d'un taux d'intérêt plus intéressant que les comptes épargne traditionnels. Idée numéro 3, la bourse. La bourse constitue un placement financier très lucratif. Cependant, pour gagner de l'argent dans ce type d'activité, il faut un minimum de connaissances du domaine. Si la bourse peut effectivement faire fructifier votre argent, elle peut également tout vous faire perdre. Prudence donc si vous n'y connaissez rien. Idée numéro 4, l'immobilier. L'immobilier est certainement l'un des meilleurs investissements pour faire fructifier son argent de manière rentable et profitable dans le temps. Il permet non seulement d'acquérir les pierres, mais également d'en retirer un revenu passif substantiel. Pour augmenter encore la rentabilité de votre placement, vous avez l'opportunité d'acquérir le bien immobilier via un prêt hypothécaire. S'il est locatif, ce système de levier devrait vous rapporter gros. Idée numéro 5, une boutique. Un magasin, que vous le gériez vous-même ou pas, est un placement généralement intéressant. À partir du moment où vous avez bonne réputation et que vous avez trouvé un fournisseur à des prix corrects, il est tout à fait possible de faire des marges bénéficiaires tout à fait satisfaisantes. Il vous faut donc une idée de départ et un local pour démarrer votre affaire. Idée numéro 6, une entreprise. Dans la même lignée que la boutique, une entreprise peut être un placement judicieux. Il vous faut trouver une entreprise dans laquelle vous souhaitez investir ou en créer une à votre image. De manière générale, les rendements sont intéressants si vous faites preuve d'un minimum de patience. Les entreprises mettent généralement un peu de temps à se développer. Idée numéro 7, une laverie automatique. Une laverie automatique est une affaire peu onéreuse qui procure des gains intéressants. Le travail est relativement facile et demande un investissement minimum pour un retour au maximum. Idée numéro 8, devenir franchisé. Certaines chaînes de magasins offrent la possibilité de devenir un franchisé. Ce statut offre de nombreux avantages pour faire fructifier son argent. L'investissement est généralement modéré pour faire partie d'un groupe qui assure la rentabilité sur le long terme. Idée numéro 9, le blogging. Le blogging est une activité chronophage qui peut néanmoins rapporter gros sur le long terme. Si vous parvenez à vous hisser au sommet des recherches de Google ou à vous populariser sur les réseaux sociaux, vous pourrez développer des systèmes de financement sur votre site. De l'affiliation à la vente de formation, votre imagination sera votre seule limite. Idée numéro 10, le coaching. Le coaching a le vent en poupe. Il s'agit d'une activité qui n'est pas juridiquement protégée. Vous pouvez donc adopter cette appellation pour délivrer des conseils aux particuliers. Idée numéro 11, l'événementiel. Une autre manière de faire fructifier son argent tout en s'amusant est d'organiser des événements ou des activités à but lucratif. L'investissement que vous mettrez à l'organisation sera normalement largement rentabilisé avec un événement réussi. Idée numéro 12, le food truck. Le food truck constitue aussi un placement intéressant. Le matériel de départ est relativement peu onéreux et les bénéfices peuvent être facilement et rapidement engrangés. Il vous suffit simplement de trouver un emplacement intéressant et de parvenir à faire de la cuisine acceptable. Idée numéro 13, l'enseignement des langues. L'enseignement des langues en direct ou via le web est une excellente manière de faire fructifier votre argent. Vous pouvez facilement créer des manuels online que vous vendez via un tunnel de revenus passifs. L'argent rentre donc régulièrement sur votre compte.
Idée numéro 14, les formations. Écrire des formations et les vendre sur Internet est également une activité lucrative. Il vous suffit simplement d'écrire une formation ou un manuel sur un sujet que vous maîtrisez. Ensuite, vous le mettez en vente sous l'appellation de formation ou d'e-book. Les revenus rentrent de manière passive. Idée numéro 15, un club de rire. Original et ludique, un club de rire peut rapporter beaucoup d'argent. L'investissement de base est relativement faible puisqu'il constitue uniquement une location de salle. La cotisation ou le droit d'entrée de chaque participant constitue un revenu. Idée numéro 16, des conférences. Si vous êtes connaisseur dans un domaine en particulier, vous pouvez facilement organiser des conférences et vous faire rémunérer pour cette prestation. Si vous n'aimez pas parler devant les autres, vous pouvez toujours faire intervenir des spécialistes et rendre l'entrée payante. Idée numéro 17, une salle des fêtes. Louer une salle des fêtes peut rapidement être rentable. Pour les événements, les loyers sont beaucoup plus importants que pour une habitation traditionnelle. Vous récupérerez ainsi beaucoup plus vite votre mise. Idée numéro 18, un club de sport. Démarrer un club de sport est assez facile, il suffit de réunir des joueurs et de trouver un entraîneur. Comme chacun doit payer une cotisation, vous rentrez assez rapidement dans vos frais. Vous pouvez ensuite développer l'association et créer plusieurs équipes ou plusieurs groupes. Idée numéro 19, un concours. Les concours sont également des activités assez lucratives. Beaucoup de personnes apprécient de participer à ce type d'événement. Rendez l'entrée payante et mettez un petit bar à disposition des participants et vous verrez bientôt l'argent entrer dans votre bourse. Idée numéro 20, un centre de bien-être. De plus en plus de personnes sont à la recherche du bien-être. Offrez-leur un endroit calme avec des activités de détente adaptées comme le yoga par exemple et vous aurez rapidement de nombreux adeptes. Une entrée payante vous permettra de faire fructifier votre investissement. Idée numéro 21, le web marketing. Le web marketing est l'activité de demain. Vous pouvez facilement vous en servir pour engranger des bénéfices sur un investissement minimum. Idée numéro 22, la vente privée. La vente privée est une technique commerciale très à la mode. N'hésitez pas à vous engouffrer dans la brèche pour retirer rapidement des revenus substantiels. Si vous avez un minimum de fibre commerciale, vous pourrez facilement faire fructifier votre investissement. Idée numéro 23, les démonstrations à domicile. Les démonstrations à domicile sont également un moyen aisé de faire grandir ses économies. En parvenant à faire suffisamment de ventes, vous obtiendrez un bénéfice substantiel. Idée numéro 24, l'épargne pension. L'épargne pension est un produit bancaire de plus en plus prisé des consommateurs. Ce type d'épargne a l'avantage d'offrir un rendement correct avec une prise de risque quasi nulle. Par ailleurs, une épargne pension vous offre des avantages fiscaux. Idée numéro 25, les métaux et pierres précieuses. Les métaux rares et les pierres précieuses sont des valeurs refuges qui permettent de faire fructifier l'argent. N'hésitez pas à demander conseil à un banquier pour être sûr d'acquérir des produits de qualité. Idée numéro 26, le vin. Le vin se bonifie avec l'âge. Achetez aujourd'hui des bouteilles de qualité à un prix raisonnable pour les revendre demain avec une plus-value. Les grands crus à plus forte raison s'ils sont rares ont une importante valeur sur le marché. Idée numéro 27, les peintures. Les peintures et autres œuvres artistiques peuvent valoir de l'or. Sachez repérer les trésors oubliés ou les artistes en devenir pour acquérir facilement des œuvres à un prix raisonnable. Vous pourrez plus tard les revendre avec une plus-value. Idée numéro 28, les antiquités. Certaines antiquités prennent rapidement de la valeur. C'est le cas notamment des meubles et décorations fabriqués dans des matières nobles. Chinez et repérez les pièces intéressantes. Idée numéro 29, une coopérative. Participer à une coopérative, notamment dans le domaine des circuits courts et du bio, peut être sacrément lucratif. Idée numéro 30, le crowdfunding. Le crowdfunding ou économie participative vous permet d'investir votre argent dans de petites entreprises. En général, il s'agit d'investissements en local. Les plus-values peuvent parfois s'élever jusqu'à 10%. Idée numéro 31, la voiture partagée. Investissez dans une voiture et louez-la en voiture partagée. Les locations vous permettront non seulement de rembourser votre investissement de base, mais également de faire des bénéfices. Idée numéro 32, le prépayant. Prêtez à vos voisins et parfois même à des inconnus via le web des articles de luxe ou des outils. L'achat sera rapidement amorti et vous ferez une plus-value. Idée numéro 33, l'hippisme. De la même manière qu'il est possible d'acheter un immeuble en groupe, il est également possible de faire l'acquisition d'un cheval avec plusieurs autres personnes. Ce type d'investissement, bien que peu connu, rapporte assez bien d'argent. Idée numéro 34, le fonds d'investissement.
Le fonds d'investissement est un produit boursier de nature sécuritaire. Il regroupe les actions d'un grand nombre d'entreprises différentes afin de limiter les risques. Si les rendements sont inférieurs à ceux des actions traditionnelles, les fonds d'investissement permettent néanmoins une bonne plus-value. C'est donc un excellent investissement pour faire fructifier son argent. Idée numéro 35, un camion à glace. Le camion à glace constitue un investissement de qualité. En plus d'être délicieuses, les glaces sont fabriquées avec des produits relativement peu onéreux. Vous pouvez donc facilement récupérer votre investissement et faire fructifier votre acquisition. Il existe une multitude de moyens pour investir et faire fructifier son argent. Libre à vous de choisir celui qui vous inspire le plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.